l'AFD, on connaît très bien les volontaires parce qu'on a 3 VIA qui sont directement intégrés dans l'équipe de l'AFD et on finance également sur certains projets des postes de VSI. Un des portefeuilles principaux pour l'AFD au Tchad, c'est la formation professionnelle et l'appui au secteur privé. Dans le cadre de ce portefeuille-là, sur certains projets, on finance 2 postes de VSI qui sont directement intégrés dans les équipes projet pour appuyer la mise en œuvre de ces projets-là et qui du coup indirectement participent à appuyer le Tchad dans l'atteinte des ODD. Par exemple, on peut citer l'ODD numéro 4 qui est une éducation de qualité puisque dans le projet appui à la formation professionnelle et Babalaman, on renforce et on soutient les centres de formation pour développer une offre de formation de qualité. L'ODD numéro 5 qui est l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment plus particulièrement sur le projet Babalamal, où on cible un public vulnérable. Les femmes étant considérées au Tchad comme un public vulnérable, elles sont particulièrement ciblées dans le cadre de ce projet-là. L'ODD numéro 8, qui est travail décent et croissance durable. À travers ces projets-là, on accompagne les Tchadiens dans leur insertion sur le marché du travail et ou à la création de leur entreprise. Donc ça participe à développer la croissance économique et le développement du secteur privé. L'ODD numéro 6, qui est la réduction des inégalités, puisqu'en favorisant l'accès à l'emploi et l'autonomie financière des jeunes, on essaye de lutter contre le chômage, contre l'exclusion sociale, contre la pauvreté, et aussi on essaye d'atténuer certains risques, notamment ceux de radicalisation.